vous êtes bien dans le Gulive, votre émission qui rayonne de soleil. La seule émission où vous verrez un baby foot, des parapluies volants. Et où on fait des batailles de palmes, c'est comme ça, enfin de pagaies. Et alors c'est également la seule émission où vous verrez des animateurs avec, regardez, de magnifiques chaussettes aux couleurs du printemps. Et s'ils ont mis des chaussettes comme celle-ci, s'ils sont chauds avec le sourire, c'est qu'ils savent que nous avons un invité de choc. Il nous a tous fait vibrer en sautant le 60 mètres haies, en étant vice-champion du monde de 60 mètres haies. Il est là, voici Pascal Martineau Lagarde. Yeah. Ensemble pour la victoire. Rien ne nous arrêtera pour gagner le 60 mètres. Ça va Pascal? Ça va bien et toi? Ah bah carrément, on est hyper content que tu sois avec nous, franchement. Pour en savoir plus sur toi, on t'a préparé une petite interview assez spéciale. C'est le à quoi tu penses. Par exemple, à quoi tu as pensé la première fois que t'as sauté des haies? Comment vais-je faire pour ne pas me casser les dents? Question légitime, je comprends. À quoi tu penses quand t'es dans les starting blocks en finale des Jeux Olympiques? J'ai 10 barrières en face de moi et je vais me dire comment je vais faire pour les passer le plus rapidement possible et enfin gagner si je fais une excellente performance. Et à quoi tu penses quand tu vois ta tête sur une grosse affiche et que tu représentes la France? Je me dis, si j'avais une salade coincée entre les dents. Pascal, aujourd'hui on te propose un cap ou pas cap où ton objectif va être en 30 secondes de sauter le plus de fois possible au-dessus de 7 haies. Celle-là là? Ouais, alors oui. Pour jouer au cap ou pas cap, il nous faut deux Gulivers. Hein. Alors eux aussi ils s'entraînent, ils font beaucoup de sport. Voici Aaron, Anthony et Alix. Salut. Vous le trouvez comment notre champion? Super! Génial! Ouais, super génial. Super je crois génial. Que c'est les deux mots qui te caractérisent le mieux. Alors, Aaron Anthony, c'est un très très grand footballeur. On a même des images. Regardez, c'est pas des blagues. Bam la tête! Yeah. Wow. Bam la tête, Aaron Anthony! Ça, c'est du sportif. Non, mais comment tu fais pour mettre des têtes aussi bonnes là, comme ça là? Bam! Ben, en fait, la balle, elle est sur mes pieds. Ensuite, après, je la lance. Après, ben, je la mets sur ma tête et ça fait une tête. Voilà, okay. Ça c'est du Aaron Anthony style. J'ai tout compris. J'adore. Et alors, Alix, on a une vidéo de toi assez iconique où tu t'éclates autant que nous sur le plateau du Gulive. Je voudrais trop vous montrer mon nouveau spectacle. Vous voulez le regarder? Mais qu'est-ce qui t'éclate autant dans la vie? J'adore faire la fête, j'adore faire des films. J'adore faire des blagues. Bah, tu as la bonne place, hein, on est d'accord. Exactement, deux candidats qui aiment rigoler, qui ont le style, qui aiment tout donner. Et il va falloir maintenant que vous écriviez, que vous pronostiquiez d'après vous sur vos tablettes combien de fois en 30 secondes Pascal va-t-il passer au-dessus de cette barrière. 10 secondes, 3, 2, 1... Top, à vous de pronostiquer. J'en profite pour vous dire que si vous voulez participer au Gulive, ça se passe sur gulive.fr. Et c'est la même chose, hein. Si vous voulez nous envoyer vos dessins, c'est une nouveauté. Ah ouais. Regardez la boîte postale qui vient de s'afficher ici. Envoyez-nous vos dessins. Aaron, Anthony et Alix, c'est bon pour vous? Oui. Très bien, Pascal. 30 secondes. 30 secondes. 3, 2, 1. Top, chrono, c'est parti. Avec une, deux, moi, allez. Je veux de le courage, moi. Allez. Ouais. 4, allez, vas-y. Allez, allez. 5, vas-y Pascal. 6, allez. Vas-y plus vite. Bon, 7, 8, allez, vas-y. 9, vas-y plus vite. 10, allez, c'est un record du monde là. On parle d'un champion du monde, les amis. Allez, 15, allez, 16, allez, encore 15 secondes. On y va, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Ok, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ok, Aaron Anthony qui regarde Alix aussi sur la roue. Là, qu'est-ce qui se passe? Attention. Et top. Terminé, waouh. Waouh! Ah, ça va? Waouh! Alors, je vais pas te dire tout de suite combien de fois t'as sauté autour de la haie. En revanche, Aaron Anthony, il est temps de découvrir quel était ton pronostic. Tu peux retourner ton ardoise. 26! Ok! Pas mal! Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Quant à toi, Alix, tu avais pronostiqué 28! Ouh là 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 là! Eh, il y a un tout pile en fait, il y en a un qui a trouvé le vrai chiffre. Oh là là, moi, j'ai compté. Ça me donne mal au ventre. 28 fois! Ouais! Tu viens de faire un tout pile, ça veut dire que tu remportes un cadeau plus un autre cadeau. Alors le premier cadeau déjà, c'est une trottinette électrique. Wow, wow. C'est pas rien. Le deuxième cadeau, c'est une tablette numérique. Wow. Et Aaron Anthony, ne t'inquiète pas, car tu le sais, dans le Gulive, il n'y a que des gagnants. Et je te vois, tu te dis, attends les gars là, j'étais à deux points de la vérité moi. Eh bien, tu remportes 4 places pour aller dans un super parc d'activités où tu vas pouvoir sauter sur les trampolines, voilà. Aaron, Anthony et Alix, on vous dit à très bientôt. Ciao. 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 Eh,
franchement, Pascal, merci beaucoup d'avoir donné le maximum. Et tu peux partir en courant dans la piscine à balles. Je peux me jeter dedans? Ouais, ouais. T'es vas-y. Oui. Ouais. Alors, à vos marques. Prêt? Ouais. Go. Allez, go, attention. Salut. Ah, là, 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 salut, Pascal. Wow. Oh, ce plongeon incroyable. Pascal, moi, je te propose de rester dans cette piscine à balles pour rester très confortablement pendant Boy, Girl, etc. qui arrive tout de suite. Et nous, attention. Et surtout, ne bougez pas parce que juste après, c'est le défi des champions. Oh, yes. À toutes. À toutes.